Chambers m'a averti que vous étiez en train de tout saccager. Un problème ? Je me sens mal dans ma peau, Shepard. Nerveux. J'ai envie de tuer, à main nue. Plus que d'habitude. Comme si je n'avais pas le choix. Comme si je voulais... Je ne sais pas. Ah, vous voyez ? Qu'est-ce qui me prend ? Un Krogan pur doit être plus agressif que la moyenne. Ça ne me paraît pas particulièrement surprenant. Normal ou pas, peu importe. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas habitué à ce bruit. Je veux me contrôler. Quand on avance, quand on se bat, je suis concentré. Mais ici, mon sang hurle. Mes plaques me démangent. Et même vous, vous n'êtes que du bruit. Je suis né en cuve. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas ce qu'on peut faire, Grunt. Il faudrait qu'on aille en parler à quelqu'un de votre espèce. La plupart des Krogan hors monde sont des guerriers. Les docteurs ne quittent pas notre planète d'origine, Tuchanka. Je ne peux pas vous demander d'y aller. Je vais me contrôler. Joker peut nous amener sur Tuchanka. J'ai besoin que tous mes coéquipiers soient au top. Merci, Shepard. Tout ça ne me plaît pas. Je veux péter les plombs par choix, pas par contrainte. Vous auriez une minute, Shepard. J'ai... un problème à régler. Je vous écoute. Quel problème ? Je... me sens mal dans ma peau, Shepard. Nerveux. Plus... Ah, vous voyez ? Un Krogan pur doit être plus agressif que la moyenne. Non. Je suis né en cuve. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas ce qu'on peut faire, Grunt. Je ne peux pas vous demander d'y aller. Je vais... Joker peut nous... Merci, Shepard. Carburant à 50%. Lancement d'une sonde. Oh.
Sonde déployée. Sonde larguée. Sonde larguée. Quelqu'un d'autre a des problèmes de bouclier ? Barrez-vous du soleil. Soquette. Et voilà, droit devant nous. Non, on voit, on ne voit pas. Oh. Regardez où vous tirez. Hey, bouclier perdu. Ça fait mal. Ah!
Trouvez-nous un chemin avec un peu d'ombre. Ici le commandant Shepard du Normandie. Avez-vous besoin d'aide ? Basculer sur la fréquence 617 Theta. On était en opération furtive, on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Mais les guettes nous sont tombés dessus. Ils nous ont coincés ici, pas moyen de rejoindre notre vaisseau. Et les radiations solaires empêchent toute transmission. Rapport de situation. Combien d'hommes il vous reste ? On était qu'un petit commando, une douzaine de marines, plus l'équipe scientifique. J'ai perdu la moitié de mes gars. Mais ces crevures de synthétique l'ont payé cher. Qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans l'espace Geth ? C'est pas à moi qu'il faut demander, Shepard. Moi, je me barre, c'est tout. Un truc avec le soleil, il décline plus vite qu'il devrait. Un problème énergétique. Vous savez d'où les Geth sont venus ? On doit s'attendre à ce que les guettes envoient du renfort. Ça m'étonnerait. Leur patrouilleur n'a pas encore redécollé. Les radiations brouillent les transmissions extraplanétaires. Tenez le coup. On sera là dans quelques minutes. Avancez sans forcer. La lumière du soleil vous cramera les boucliers en moins de deux. On s'est retranché au camp de base, à l'autre bout de la vallée. Je laissais Talizora à l'abri avant de rappliquer là où ça chauffait. Exfiltrer Talizora est notre priorité absolue. Si vous l'évacuez, on couvrira vos arrières. Vous avez la confirmation que les guettes n'ont pas encore atteint Tali ? Affirmatif, mes meilleurs hommes sont avec elle, là-bas vous pourrez lui parler par communique. Tous les marines sur ce tas de cailloux ont juré de protéger Talizora. Tant qu'on n'y est pas tous passés, elle n'aura rien à craindre. Vous allez sacrifier votre vie à la recherche ? Négatif. Je vais sacrifier ma vie pour la flotte nomade, c'est toute la différence. Je n'ai rien à décocher, Shepard. Je suis un marine. On dit de me battre, j'obéis. Les ordres sont de protéger Tali et les données. Si vous les tirez de là, j'aurais fait mon boulot. Tenez la position, on les prend à revers. Attendez, faites gaffe. Transporteur en approche. Passage.
sur mon radar. C'est fait. Vous aurez besoin des deux charges pour dégager les débris. Je passe en mode plus.
Charge en place. Tout le monde à couvert. Des bâtiments cariens, d'avant qu'ils se fassent botter le cul d'ici? Je ne sais pas ce que les cariens sont venus chercher aussi loin dans l'espace guette, mais ça a intérêt à en valoir la peine. Tali, c'est Shepard. Shepard? Pas que je m'en plaigne, mais vous surgissez vraiment de nulle part. Qu'est-ce que vous faites ici, en plein territoire guette? J'ai une mission, faut vous rappeler? C'est dangereux, mais c'est pas ça qui vous fera reculer, je crois. On en reparlera quand les combats seront terminés. Kalrigar et ce qui restait de ses marines m'ont bouclé dans l'observatoire. De là où vous êtes, c'est après la porte, à l'autre bout du champ. J'ai les données que je cherchais. Pour l'instant, tout va bien. Mais les guettes sont déployées en masse à l'extérieur. Et ces données que vous êtes venus chercher? Elles concernent le soleil de ce monde. Il vieillit plus vite que la normale. Je vous en dirai plus quand les guettes auront fini de nous tirer dessus. Et si je faisais intervenir le Normandie, ça servirait? Je ne crois pas. Ces bâtiments sont vieux de plusieurs siècles. Et si vous pilonnez le secteur, tout s'écroulera sur nous. Vous êtes seul ici? Rigard m'a fait escorter par ses marines quand je me suis réfugié dans l'observatoire. Au moins quelques-uns ont survécu. Je les entends se battre là-dehors. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur et la console est endommagée. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté? Ça doit pouvoir se faire. Voilà, ça devrait être ouvert maintenant. Faites attention, Shepard. Et je vous en prie, faites votre possible. On s'est fait repérer. Les drones ont un système de camouflage optique. Faites gaffe. Qu'est-ce que ça?
boucliers sont tombés. On s'est fait repérer. Système de camouflage optique. Faites gaffe. Je le fais discrète. Un de moins. Je t'ai eu. Un de moins. Ouais. J'ai plus de bouclier. Sont tombés. Joli. Chef d'escouade Calrigar, des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici. Mais le moment est mal choisi pour chipoter. Tali est à l'intérieur. Les guettes ont flingué le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de détourner leur attention. Vous êtes sûr qu'elle est toujours en vie? L'observatoire est une vraie forteresse. Même les guettes auront du mal à forcer l'entrée.
sans compter que je les pilonne non-stop. Les Gates ont déployé tout un bataillon. Mais c'est le Colosse qui pose problème. Il intègre un protocole d'auto-maintenance. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné. Votre combinaison est endommagée à quel point? J'ai rabattu les clampes de sécurité pour isoler la contamination. Et je me suis coinfré d'antibiotiques. Je refuse de crever d'une infection au milieu d'une bataille. Ce serait humiliant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le champ de bataille? Il y a une passerelle sur le flanc droit avec un sniper guette embusqué. De là, vous pourriez faire du dégât, mais aucun de mes hommes n'a réussi à passer. Par le centre, vous serez à couvert. Mais cette saloperie de Colosse vous aura tout le temps en visuel. Et les guettes se rabattront sur vous des deux côtés. Sur le flanc gauche, vous serez à couvert du Colosse. Et vous serez exposé aux tirs de sniper. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Comment on s'y prend pour abattre un Colosse? Le protocole standard avec les unités de type armature consiste à saper leur bouclier avant de renier le blindage. Le tuer à petit feu, quoi. Mais ce protocole de maintenance fout tout en l'air. Dès qu'on esquinte un peu, il se replie sur lui et s'auto-répare. En gros, quoi qu'on fasse, faudra agir vite. On devra se risquer en contact, au-delà de ce poste à couvert. Il faut qu'on rejoigne Tali. Des idées? Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Bonne chance, Rigard. Allons massacrer du guette. Gila, Slide! Salut, Tali, pour moi! Les voilà.
approcher pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Bonne chance, Rigard. Allons massacrer du guette. Qui l'a, cela ? Salut, Italie, pour moi ! Je le fais discret. Bonne chance, Rigard. Allons massacrer du guette. Qui l'a, cela ? Salut, Italie, pour moi ! Oh!
rien. Jamais réussi à sortir de cette pièce. La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress, mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Combien de Cariens sont morts ici? Ça en valait la peine? Je ne sais pas, Shepard. Cette mission n'était pas de mon fait. La commission de l'amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. Qui suis-je pour contester leur décision? C'est votre avis qui m'intéresse, pas celui d'un amiral quelconque. Beaucoup de gens sont morts ici. Certains étaient mes amis. Et tous excellaient dans leur domaine. Ces données ont intérêt à valoir le coup. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches? Le soleil d'Aestrom est instable. À l'époque de la colonisation carienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Vous savez ce qui provoque cette instabilité? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en phase de géante rouge. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Ravi d'avoir pu servir à quelque chose. Dès que vous aurez livré ces données, j'aurai besoin de vous sur le Normandie. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenu. Je vous suis. Il suffira que j'expédie les données à la flotte. Et si les amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Regarde, vous vous en êtes tiré? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Rigard. Les guettes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer avant l'arrivée de leur renfort, on devrait s'en sortir. Je ne viens pas avec vous. J'accompagne le commandant Shepard. Je transmettrai les données à la commission de l'amirauté et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie, Shepard. Veillez sur elle. Cerberus vous observe depuis un moment, Talizora. Vos nombreuses compétences technologiques seront un atout de taille pour notre équipe. La flatterie ne prendra pas avec moi. Cerberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Je ne vous fais pas confiance. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, Tali. Je sais que je peux compter sur vous en cas de coup dur. Je n'ai pas participé à l'opération sur la flotte nomade, mais je comprends votre méfiance. J'espère que nous pourrons mettre nos différends de côté le temps de cette mission.
Je pensais que vous étiez en mission secrète, Shepard, pour détruire Cerberus de l'intérieur. Si c'est le cas, je serai la première à vous aider, sinon... Eh bien, c'est pour vous que j'accepte cette mission, pas pour eux. Je ne vous demande rien de plus, Tali. N'oubliez pas, Shepard. Cerberus n'a pas hésité à sacrifier des innocents pour tenter de contrôler le Taurien et les Rathni. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'IDEA, l'intelligence artificielle du Normandie. C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes dans la salle. Nous pouvons ainsi... C'est tout pour l'instant. Je vous déconnecte, Shepard. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Garrus a fait une modif de dingue sur les canons principaux, ça a quasiment doublé leur consommation. Mais ça a l'air de méchamment dépoter. C'est vrai, t'inquiète pas. 2-3 ajustements des condensateurs avant et hop, tout revient à la normale.